gorges là-bas qu'on aperçoit, c'est les gorges de la Nesque. D'accord. Voilà, c'est 1500 tours. Ah oui, c'est beau là. Tu peux aller encore un peu plus par là, hein. Voilà, on va aller plein est. D'accord. Voilà, encore un petit peu. Voilà, tu prends un repère bien loin là. Ok, tu montes à 2007. Fond, là-bas. Tu peux même aller encore un petit peu plus à gauche, voilà. Sensible. Oui. Mais bon après voilà tu vas super vite. On va voir ça. Et laisse-toi avancer tranquillement vers 3000 parce que ils vont nous faire chier les nuages là-bas. Apparemment ils sont juste là où il faut pas. Bon mais tout simplement parce que voilà. Laisse-toi monter, voilà, tout doucement, sans rien régler, voilà. Hop, hop. Ah, ou alors on reste en dessous, peut-être qu'on va, on va voir. On va voir. Voilà, on va reprendre la croisière. On va aller vers là-bas à gauche, tu vois les espèces de petites barres rocheuses, voilà. Ouais. On va aller vers les barres rocheuses. Et ne monte pas plus, là, vous êtes au palier, là, voilà. D'accord. Météo avancé là quand on lève les nuages là. Et où le menu météo? Mais toi bien
sur la gauche, là. Tu vois les barres rocheuses? Ouais. On va passer vertical les barres rocheuses. D'accord. Comme ça, on aura une bonne vue sur la droite et on verra si on peut y aller. D'accord. Philippe? Ouais. Tu peux mettre les nuages vers 5000 pieds? Je vais essayer, ouais. Ouais, ça sera mieux. Et si tu n'y arrives pas, ta réputation, je vais en prendre un coup. Hein. Vas-y, va bien à gauche. Voilà. Parce que nous on va partir perpendiculaire à droite là-bas. D'accord. Et je voudrais voir si on passe avec des nuages ou pas. D'accord. Ok, on est 3000 là. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire a priori. Alors, hop. On va se mettre un petit peu plus à piquer, léger. Voilà. Non, elles sont dégagées les gorges, c'est bien. Donc là on va être un peu à contre-jour, mais on va faire un 180 juste pour les voir les gorges. D'accord. Ok, je les vois, ouais. Voilà, on va descendre un petit chouïa. Là c'est les gorges de la Nesque. Dans son vire là. Voilà. Là on va passer au ras de la falaise qui est à droite. D'accord. Ok. La verticale là. On va passer au niveau des nuages qui sont devant nous là. D'accord. Contre les rochers. Ok. Voilà, on va passer même sous les nuages. Et après on fera un 180. D'accord. On aura une belle visée sur le. Ça sera bien éclairé. Parce que là, à contre-jour, c'est pas joli. Oh ben là c'est bien là. Donc là en fait c'est l'axe de ton avion qui détermine si tu vois qu'il passe à gauche, c'est que tu passes à gauche. Comment? C'est l'axe de l'avion qui détermine ce que tu fais là. Quand je vois que l'axe il est bien à gauche de la falaise, c'est que je passe à gauche. Oui, 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 tout à fait. Ouais. C'est la même chose que dans l'histoire de l'horizontale. Alors là, on va aller à droite, je t'ai dit une connerie, on va aller à gauche. Ce sera plus joli que par là. Pour la... Ah c'est magnifique là, avec le givre là. Ah ben là oui. Voilà, on va contourner par la droite. Allez, on y va tranquille. Un virage en palier. Ah non, on peut pas. Voilà, reste bien en palier. On va même plutôt légèrement descendre. Là ça va être super beau, tu vas voir. Et là on aura l'éclairage du bon côté là. D'accord. Regarde là-bas à droite. Ouais. Voilà, on peut continuer à descendre tout doucement. 2700. Regarde comme c'est beau là, c'est joli là. Ah la vache, oui. Bon. Voilà les gorges de la Nesque. Sur la gauche c'est le rocher du Cire. Ouais. Voilà, bon, on va pas les redescendre entier, mais oui, bah oui. Juste pour le visuel. Allez, bon, on va remonter tranquille. Vas-y, on met du gaz. 2500 tours. Et on monte tout droit. Voilà. Ok, 130. Et on va passer au-dessus du nuage et on va partir au nord par là-bas. Mais pour le moment on va tout droit, voilà. Donc on n'a pas passé les reliefs, on peut mettre au plein gaz, voilà. Voilà, on va chercher 130 km/h, voilà. 2500 tours, c'est parfait. C'est joli le passage là. Ah c'est beau hein. Ça t'a plu Fred? Ça t'a plu Philippe? C'était joli? Ah ouais, c'est chouette quoi. Ben on va qu'on peut les faire. Hein.
sont dans la merde, hein. Avignon, Orange, tout ça, là. Ah ouais. On était pile au bon endroit, là. Et on voit que ça bouge un petit peu, là. Voilà. On va se mettre en palier, on garde un peu de vitesse et on va tourner à droite, là. D'accord. Voilà, vas-y. Comme ça, on va passer... au-dessus des nuages là-bas et après on reprendra à gauche. Voilà, tu peux trouver ta montée, là, vas-y. Vas-y, remets-toi à monter. Voilà. Voilà, 2500 tours. Et dès qu'on sera franchement au-dessus des nuages, là, on repartira plein nord. On arrive au plateau d'Albion, oui. Avec la base de Saint-Christol. D'accord, oui, juste là. Speed. Voilà, on peut se mettre, on peut commencer à partir tout doucement par là, en restant au-dessus des nuages, voilà. De toute façon, même si on se pose pas, ça sera joli. Ah oui, non, mais j'en doute pas. C'est déjà joli rien qu'ici, là. Ouais. Voilà, tu peux partir par la gauche, là, tant qu'on est au-dessus des nuages, là, voilà. Voilà tout le plateau d'Albion, là, à droite. Mais là, pour l'aspect Léo, là, c'est un paradis terrestre. Enfin, un paradis souterrain. Ouais. On voit déjà les chaînes de montagne au fond, là-bas. Ouais, nous, on va aller au fond. Ouais, c'est les Alpes, là-bas. Les Alpes, ouais. Il y en a encore aussi en face là-bas. Ouais. Bah, de toute façon, il y en a tout. Tout devant, c'est sur les Alpes, de toute façon. Quatre pistes. Non. Il y a combien avant tout? 6 000 pieds. On a l'impression d'être comme lui, mais en fait, on est encore là. Tu peux partir vers là-bas, on est passé franchement au-dessus, là. Bon, en tout cas, ton cul, il reste sur des nuages, ça fera un sacré point de repère. Hein. Oui. Ah ben, avant, c'était le, on disait, c'était le vent de Carpentras, là. Ah ben oui, tu m'étonnes. Là-bas, il y a un terrain où on pose, mais c'est pareil, il sera complètement enneigé. Ouais. On va quand même aller voir la motte. Ah, la motte, s'il n'y a que 5 cm, ça pose bien. Après, les autres, je pense pas qu'on pourra les faire. Allez, hop, on peut partir franchement à gauche maintenant. Elle prend, voilà, prend 140, 150, voilà. Maintenant, on est passé tranquille au-dessus, là, voilà. Voilà, va tout droit, là. Là, on est au bon cap. Ouais, ça carcardait 5000 pieds, on sera bien à 5000. Oh non, on passe les 5, ouais. Ah ouais, dis donc là-bas, you, waouh. Ah oui, mais là, ça va être beau, hein, c'est tout blanc partout, là. Ah oui. Vas-y, un peu, encore le tout petit point à la gauche, et ne monte plus. Là, tu peux te mettre à 2300 tours. Voilà. Là, puis tu te le compenses bien, voilà, après. Alors la vitesse est liée. Ah, pas grave. Ok. Voilà, tu peux aller encore un peu plus à gauche. Va en plein nord, va en plein nord. À gauche, vas-y, franchement à gauche, voilà. Voilà, va tout droit là, va tout droit. Et là, on devrait être quasi à peu près plein nord, là, voilà. D'accord. Même un peu moins, parfait, 350. Ouais, 350, 55, là.
c'est beau à droite là. Hein? C'est magnifique hein. À droite là, c'est beau hein. Alors, la face nord du Ventoux. Va à gauche, plein nord. Reste au plein nord. Prends soin et repère au loin. La montagne au fond là-bas. Ouais. Voilà, tout droit là. Impeccable. On voit tout droit devant nous, ça fait comme un petit col là. Ouais. Là-bas, il faut passer dans ces cols. D'accord. Il y aura une ligne électrique, mais elle est très très basse, ça ne nous gênera pas. Alors, un autre croisière, un autre check-up. Puissance, 2300 tours. Ok, I, instrument moteur dans le verre. Pression, température. A, Alti, on est au QNH, 5000 pieds. G, le giron de la part. 2, essence, ben, essence au G, c'était 15 000 pas décollé. Il nous reste 3h15. Radio, radio nav. Radio, en fréquence montagne. Température, il fait 1 degré. Ah oui. Et l'eau a 20 degrés dedans, il fait 1 degré dehors. Bah, check en croisière terminé. Voilà, impeccable, tout droit là. Ah non, même le côté russe il posera pas. S'il y en a un qui pose, ça sera la motte. Bon. Ah, c'est fabuleux. Avec la neige, c'est très beau. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais quand même te dire 2-3 rudiments pour le vol montagne. Oui. Là, on va arriver sur la port de la route Chalancon. Oui. Donc on est passé sur la fréquence radio, fréquence morgane, montagne. Le plus important dans un vol montagne, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, on va prendre en compte l'environnement, oui. L'aérologie essentiellement. Et le juge de paix, ça va être le vent. Bon, l'environnement, on va avoir une check qui s'appelle TNOTER. Nuisance, on se met bien à 2000 tours pour pas faire trop de bruit. On verra là-bas qu'on évite bien le village de la Motte-Chalancon. Ouais. Obstacle, on vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle sur la piste. Ouais. En finale, au décollage ou à l'atterrissage par exemple. Ouais. Trafic, est-ce qu'il y a du trafic au sol, est-ce qu'il y a du trafic en l'air. L'éclairage, très important, est-ce qu'on n'a pas le soleil qui va nous gêner en finale ou au décollage. Ouais. R, la radio. Ça c'est la prise en compte de l'environnement. Après, il y a l'aérologie. Alors tout ça, ça se fait à peu près, approximativement, à 1000 pieds sol. Pour pas faire chier les gens. On ouais. Va pas se mettre, on va pas se mettre en basse hauteur, ouais. Alors que justement on voit qu'il y a trop de vent, on peut pas se poser. Ouais. Donc à 1000 pieds sol, on fait la reconnaissance haute. Ouais. Donc là-bas, le terrain est à peu près à 3000 pieds. Donc nous on la fera à 4000 pieds à peu près. D'accord. Après, on va prendre en compte l'aérologie. Le vent, c'est le plus important. Donc là, il y a une manche à air, c'est très bien. Le vent, la turbulence associée, on peut avoir des rabattants, etc. Oui. Et il faut savoir que 10 nœuds de vent arrière, ça va nous prolonger l'atterrissage de 100 mètres. C'est 10 mètres par deux devant. Oui. En revanche, 10 nœuds avant, ça va nous ralentir de 100 mètres. En sachant que il y a des coefficients de pente. Plus il y a de la pente, moins il nous faut de distance. Oui. Là, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais nous, ce qu'on veut pas, c'est du vent. Alors, sachant que comme on décolle et on atterrit dans le sens opposé, oui. On va décoller à l'opposé. Donc, dans un des deux cas, on aura du vent arrière s'il y a du vent. Oui. Donc, à l'issue de la reconnaissance, on va se poser deux questions. Est-ce que je peux redécoller si j'ai 20 nœuds arrière, ce sera possible. Est-ce que je peux atterrir si j'ai 20 nœuds arrière, ce sera possible. Donc là, si je réponds oui à ces deux questions, on va faire la reconnaissance basse. On va aller voir le terrain. Donc là, on va prendre dans l'ordre, du haut vers le bas, un point de stationnement, oui. Un point de toucher, un point de visée.
direction du vent. Donc si on a du vent arrière, on va décaler le point d'aboutissement du côté du vent, etc. C'est la logique, on va dire. Il faut savoir que là, en montagne, on n'a pas d'horizon. Bon, là encore, on en a un petit peu, on est un peu plus haut, mais dès qu'on est dans le relief, on n'aura plus rien. Donc ce qui est le plus difficile à apprendre, à acquérir, c'est la notion de plan. Alors le tour de piste, après la reconnaissance basse, on va faire un passage bas, à peu près à 100 pieds sol. Parce que là on n'a aucun QNH, on ne fait pas... Donc on va faire un passage à 100 pieds sol, et là on va regarder à combien on est. Donc on va se mettre à mi-piste à peu près, on va la prendre à 45 degrés à peu près. Et là on lit l'altimètre. Soit on reste à l'altitude de laquelle on est, soit on monte de 100 pieds pour faire notre... En tour de piste, donc là aujourd'hui on mettra le réchauffe carbu, on n'est pas très haut, c'est relativement humide, bon il fait 1 degré, donc moi je peux le mettre. D'accord. En haute altitude il fait trop froid, t'as pas d'humidité dans l'air, donc il va pas givrer. Là il y a quand même des nuages pas très loin. Ah merde, il va être bâché la botte. Ah il est dans le trou là. Là il est à droite là-bas, mais ah, ça va être pile ou face. Ah n'aura pas de cul aujourd'hui. Et donc, on fait le tour de piste, lorsqu'on est en étape de base, en vente arrière, on fait notre check, nos affaires, on met un cran de volée, je mets le tour, et en étape de base, on vient vérifier que le second aile, il est bien à l'entrée de la piste. D'accord. Ça veut dire, parce qu'il faut venir intercepter le plan par-dessous. Oui. Et la finale, elle va toujours commencer par un palier. Et une fois qu'on a déterminé qu'on est sur le plan, c'est ce qui est le plus dur, hein, ben là c'est assiette puissance. Et on se met en descente. La puissance, on reste entre 1500 et 1700 tours. Il faut pouvoir en mettre de la dégueulante. Il faut pouvoir en enlever si on est trop haut. Donc on n'est jamais tout réduit. Ouais. Ah putain, ça va être... si on peut poser, on a du cul. Hein. Il doit y avoir un village dessous, c'est le village de Rébusa. Il doit pas être loin normalement là. Mais apparemment il y a des petites maisons là, ouais, c'est clair. Là, on passe les gorges de l'Aigle, il y a la route en bas là. Ouais. C'est la route qui va de Lyons à Gap. D'accord. Et on la voit là. Ouais, mais à mon avis... La piste a l'air bien blanche, il y a le haut de la piste qui est dégagé. Ah merde, on n'a pas réduit. Pas de pilote 3. Voilà, ça en face, c'est les gorges de l'Aigle. Bon. Ouais, tout ce qui est cible là c'est bien bien bon, ça a bien pris là. Vas-y descends, mets-toi en descente légère vers 4000 pieds. On aurait dû pas, ouais. Oui, il reste à début 3, voilà. Là, à mon avis, il y aura trop de neige. Les nuages, c'était peut-être jouable, mais la neige... le terrain, il est droit devant nous, mais là, honnêtement, tu peux pas le voir sans savoir. Ah ben... Il y a Faucon qui est dégagé, mais en lui, il est encore plus enneigé, il est plus haut. Ah si, ouais, je vois à gauche. Ah ouais, elle est comme ça, là. Ouais. D'accord, allez, ouais, bien enneigé, là. Allez, voilà.
La botte Fox Romeo Juliet en est à 2 minutes de la verticale provenant du sud. On reste quand même à 4,5, c'est pas la peine d'aller plus bas, a priori on ne pourra pas poser. Oh ben j'ai au moins vu, déjà c'est bien. Hein? J'ai au moins vu. Ouais. Ah parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemblait, hein. J'avais... La botte Romeo Juliet en fait un saut. Ah oui d'accord. Ah oui, c'est impressionnant. Alors nuisance, on met à 2000 tours. Ok, on va compenser l'avion en nuisance. Obstacle. Alors sur la piste, je ne vois aucun obstacle. Moi, le seul obstacle que je vois, c'est les nuages. Les nuages qui vont nous empêcher de décoller. Oui. Donc là, la question de décollage, elle est réglée. Nuisance, on va faire la reco quand même. Nuisance, obstacle. Trafic, ben, il n'y a pas grand monde à part nous. Hein. Ouais. Il hein. n'y a rien au sol, il n'y a rien en l'air. Éclairage, l'éclairage. L'axe de la piste est là, le soleil, il est à gauche, il ne va pas nous gêner. Ouais. Radio, on l'a faite. Il prend garde le manche, voilà. Le garde le manche, ok. Alors le vent, la manche arrière, il y en a une en haut. Et il a l'air de venir plutôt comme ça. Alors il n'y a absolument rien, tu vois, elle est au bout de l'aile là. Ah oui, bref. Il n'y a pas un poil de vent, donc il n'y aura pas de turbulence. Une piste qui fait 500 mètres à peu près. Ah, ça n'a pas l'air comme ça. Elle fait 534 mètres, je crois. L'entrée de la piste, il est plat. Ouais. Et après, en fin de piste, il y a un profil convexe. Et donc, concave. Pardon. Et donc en fin de piste, il y a 16-17% de pente. Donc ça veut dire que l'atterrissage il est normal, ouais. On atterrit normalement, on rajoute pas de puissance. En revanche, quand on est en haut, il faut vraiment mettre de la puissance pour pouvoir monter. Alors tu vois, on ne pourra vraiment pas se poser. Ouais. Au niveau de la neige, c'était jouable. Au niveau de la neige, c'était posable. Bon, on aperçoit la terre dessous, ben, il doit y avoir à peu près un petit 5 cm là, on voit bien les sillons, donc là au niveau de la terre, de l'enneigement, c'était posable. Mais pas le reste. Donc est-ce que je peux redécoller? Ben non, hein, j'ai les nuages devant moi, ils m'emmerdent bien. Dommage que au niveau enneigement et au niveau neige, c'était jouable. Et bon, on voit même les touffes d'herbe à l'entrée de la piste. On va partir vers Gap. Effectivement, il est 11h. Et peut-être que de retour, avec un peu de chance, cet après-midi, on pourra venir s'y poser. Déjà, on a vu au moins que c'est posable. Au niveau enneigement, on est bon. Et là, c'est l'atterrissage. Ouais, ça poserait, hein, on aurait une impératif de vie ou de mort, on poserait. Hein. Et là, je ne prends pas le risque de décoller dans ces conditions-là, voilà. Non, c'est sûr. Alors, on va faire un... 180 degrés, là on va partir. Alors mieux un peu de puissance. Voilà, j'enlève le réchauffe. On va aller voir le village de Pomerol s'il est hors des nuages. Ouais, par là-bas, dans la vallée là-bas. Bah tu vois, c'est. À mon avis, peut-être pas va se réchauffer, mais à midi 1h ça va se dégager là. Allez, voilà, on va tout droit. On voit bien la piste là, effectivement, on voit même les marquages aussi. Oh oui. Non, là il n'y a rien, on est resté bien en palier. Donc, normalement c'est dans la vallée à droite qu'il faut aller, mais je pense pas qu'on pourra y aller, ben, on va voir. Alors là au niveau turbulence, c'était correct.
en palier. Voilà, là on reste au niveau du nuage, comme on sait pas ce qu'il y a derrière là. Ouais. Bon, a priori on voit que c'est bien dégagé. On va aller à droite, on va rentrer dans la vallée, enfin, on va rester là pour le moment. On va rester là pour le moment. On va loin comme ça, et on va regarder, et voilà. On reste bien le long de la falaise, là voilà. D'accord. Et après on verra le col qui est devant nous là-bas, on verra le passage de col. Ah oui, effectivement. De quoi? Effectivement, on passerait. Ah oui, ah, c'est joli avec les couleurs de tonne là. Ah bah oui. Hein. Bon alors, on voit même les glands là qui... Alors là-bas, c'est bon, on peut rentrer. D'accord. Alors, on va rentrer en longeant bien la falaise à droite. D'accord. Alors là, ça sera très joli après sur ta gauche. Voilà. On va pas plus bas, on va pas aller plus bas. Ok, 4005 on va dire. Voilà, on va rester sur ce versant-là qui est à l'ombre. Donc là, le piège qu'on peut rendre dans une vallée comme ça, c'est qu'on a tendance à vouloir garder le même angle de vue, et on a tendance à vouloir tirer sur le manche sans faire exprès, donc la vitesse va s'effondrer et on risque de décrocher. Donc là, on va quand même aller un petit poil plus haut. Là, je le fais volontairement. Voilà. Là, on va rentrer là et on va partir à droite, et sur ta gauche, tu auras un joli village. Voilà, là on va longer bien à droite. Vas-y, on passe à droite. Complètement. Voilà. Et là, c'est à gauche que ça se passe. Là, le village de Pomerol. Et t'as vu, il est complètement sur le versant ensoleillé. D'accord. Vas-y, regarde le village là. Ah oui, effectivement, ouais. Et c'est caché en fait. Et là, c'est magnifique. Alors là, on va... Superbe. On va s'attacher à ne pas monter, mais il faut rester au ras des arbres. D'accord. On va aller faire demi-tour tout au fond là-bas. On est à 3006. 3006, ouais. À 3600. Mais je tape. Ne monte pas, t'es en train de monter là. Voilà. On reste bien en palier. Palier. On reste bien sur la droite pour avoir la place de faire demi-tour. D'accord. Ne monte pas. Ne monte pas. Voilà. Alors, on va réduire un peu la puissance, comme ça on ira moins vite. Ouais. Et le demi-tour sera quand même plus facile. On aura un rayon plus on a une colle là par laquelle on peut sortir. Allez, on y va. Regarde devant toi. C'est devant toi que ça se passe. Alors là, je mets un peu de puissance. Et là, elle ne tire pas. Et, ouais, regarde derrière, regarde là-bas. Rien que pour la vue, je fais le virage. Donc c'est vraiment très joli. Super, ouais. Voilà, là, on fait un demi-tour en regardant devant nous. C'est en regardant devant nous qu'on va voir le démonter descendre. Ouais. Alors après, tu peux envoyer une fois de temps en temps. On voit qu'on redescend un petit peu, hop là. Ouais, voilà. Regarde pas l'altimètre. Regarde devant toi, voilà. Devant toi, voilà. Allez, on va descendre vers le village. D'accord. Voilà. Ah, c'est formidable. La roche, les verts et tout. Et là, sur la droite, ça va être très très joli aussi. Avec une espèce de... C'est beau là. Voilà, hop, on remet les puits, on remet deux lieux trois, on est là. Palier, on ne descend plus, palier. Et là on va se mettre même à monter. On est à 4005 à peu près. Et on tourne à droite. Vas-y. 2500 tours. On va monter trop fort, voilà. Et là on va longer la montagne pour passer le col qui est au fond là-bas. D'accord. Ah, il y a le grand Cyrus qui est juste derrière, mais là, à 3 avec la neige, je joue pas. Il est très court. Voilà, 130 km/h. Voilà, mets-toi bien à droite, là, comme ça. Un peu de pied à droite, impeccable. Voilà, 2500 tours. Ah, tu prends 2500 tours en montée, 2003 en palier.
deux terrains qu'il y a après sont très courts. Donc avec la piste contaminée, ça va nous rallonger, donc c'est vraiment trop dangereux. À deux, ça aurait été tentant. Ça peut se faire, mais ouais. Et encore, même à deux... Mais bon, c'est joli quand même. Ah bah de toute façon, oui. Mais c'est pareil, faire le pilotage comme ça aussi proche du sol, c'est exceptionnel, hein. Je veux dire, c'est pas... C'est pas tous les jours, hein. Ah ouais. Ouais. Ou alors on respecte pas les règles du jeu. Voilà, là on va venir épouser le relief et on va se mettre au-dessus des nuages. D'accord. Voilà, là on va pas jouer dessous là. Alors si, tiens, on pourrait faire vraiment, tiens voilà, reste à l'altitude là. On va faire vraiment la technique montagne. D'accord. Là on se met à 2300 tours et on va jouer le jeu comme si on savait pas. D'accord. Mais on imagine qu'on va pas passer au-dessus. Ouais. Donc en montagne, quand il y a une colle à passer ou une crête, on ne prend jamais de face. Oui. On va toujours arriver tangent, à 45 degrés, voire plus, oui. Pour pouvoir dégager. En montagne, comme je disais tout à l'heure, on ne joue jamais sur la puissance de l'avion. Oui. On va toujours jouer sur le fait qu'on a une échappatoire. C'est ça. Il faut toujours avoir une porte de sortie. Là, si le col il est bouché, tu peux faire un 180 sans problème. Oui. Voilà, on joue toujours avec la sécurité. Il faut toujours avoir une issue de secours. Et là, j'oublie plus. Vous savez comment il s'appelle le col? Mais à mon avis, franchement, on pourra poser à la mode tout à l'heure. Ouais. D'accord. Donc là, on reste bien en palier. Voilà, ça c'est bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on est... Face à un relief, on a toujours tendance à vouloir tirer sur le manche. Ah, parce qu'on veut garder le même angle visuel. Ah oui, d'accord. Donc du coup, on a la vitesse qui s'effondre, et là, il y a un rythme de décrochage qui est important. Ouais. Donc là, on va rester... Alors, on va monter un petit chouïa, toi, tu as descendu un peu trop. Parce que là, le fait d'arriver tangent, ça nous permet de voir est-ce que la couche nuageuse passe. Ouais. Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des rabattants, des choses comme ça, voilà. Ou un autre avion de l'autre côté. Là, tu vois, il y a manifestement on a des rabattants, parce que là, oui. Là on a un variant qui descend quand même. D'accord, donc c'est ceux qui arrivent comme ça à la craque. Donc là je vais rester comme ça, à peu près tangent à la hauteur du col. Oui. Quand je serai dans le col, je verrai où je passe, où je dégage. Bon là on voit derrière, hein, mais bon. Oui. Attention qu'on continue toujours à descendre. Alors le bon point c'est que si on descend sur ce versant là, le versant sud là-bas il va monter, en plus il est ensoleillé. Ouais. Mais là c'est la technique de passage de col en montagne. Donc là, est-ce que j'ai des rabattants? Est-ce que ça passe derrière? Ça passe derrière, ça bouge pas trop, allez j'y vais. Ok, là j'ai passé un truc. D'accord. Là j'ai passé un col en toute sécurité. D'accord. On n'a pas perdu 10 pieds. Voilà. On est passé d'une vallée à l'autre. Parce que des fois, t'as 50 pieds pour passer 100 pieds, pas plus. Hein. D'accord. Alors le grand Tyrus, il est juste devant nous. Et je te dis, aujourd'hui, on ne pourra pas y aller jouer. Ah, ou alors on tire sur Saint-Crépin. Ouais. Ou alors on va à Saint-Crépin, comme ça, en disant. Ouais. Là on va voir déjà si on peut poser à Gap avec la neige, avec la... avec les nuages. Bah voilà, maintenant tu vas tout droit là et on essaie de rester au-dessus de la couche. Essayez de voir ce que c'est la fréquence de la tisse à Gap. Ouais, on va regarder. Voilà, 2003. Alors, le terrain qui est dessous, il est assez difficile parce qu'il est perpendiculaire à la vallée. Donc du coup, il faut aller dans un vallon en face pour venir atterrir. Et il est assez technique. D'accord. Ah, c'est celui qui est là, là. Oh, je sais pas si on le voit. Là, il y en a un, là. Ouais, c'est ça, il y a un Algeco. Non, il est un peu plus loin. Et quand j'ai proposé à Philippe d'en faire un deuxième, mais non, c'est bon, on rentre. Il n'a pas voulu assister plus que ça. Alors
ça c'est pas un terrain ça là. Si, voilà, il est là, voilà. D'accord. Donc lui, tu vois, il est un peu plus bas, il aurait posé aussi. Ouais. Mais là, j'y joue pas. À 3, là, j'y joue pas avec la neige. D'accord. Et par contre, il est plus court celui-là. Ah oui, il fait 300 mètres lui. Mais par contre, il a plus de pente. Ah oui, ouais. On est sur 129, 325. Ok. Alors ce qu'on peut faire, on va voir si serre est posable. Si serre est posable, à la limite, j'en dépose un à serre, et on vient le faire à deux, et ainsi de suite. Ouais. Et encore que Philippe, il le connaît, à la limite, Philippe, il peut casser les couilles, un quart d'heure à serre. Ouais, ouais, pas de soucis. À deux, je veux bien, là. Merde, tu peux regarder Serre si c'est en mode 3-5. Mais Serre, c'est pas dit qu'on puisse poser. Hein. Quoi le code? Comment? Le code. Le code. La CI. J'en sais rien, moi. Regarde sur SDVFR. Ah, mais là, j'ai un peu la gerbe, la droite de l'écran. Ah, pardon. Attends, mais je regarde alors. Hop là. Mais a priori il est mouillé de mâcher. On reste 3-5, oui. La serre de Fox Roto-Juliette. D'ailleurs, on va dans la moitié de l'encontre. Ça, c'est le but de l'intercipient. C'est la sorte qu'elle veut dire. A priori, serre, il passera pas non plus. Le terrain est droit devant nous, mais dans celui du nuage, a priori. Là, ouais. Ah, il posera pas. Non. Non. Et s'il y pose, il y a des questions là. Ah bon? En face, il y a Astre. Ouais, je vois à peu près où on est là. Ben là, on arrive dans la vallée de l'Endurance. Il y a un gap qui est juste à droite là. Ouais. Droite, ben, on est quasiment vertical à Serre, vers la bâtie. Droit devant, il y a Astre sur Blèche. D'accord. Alors, derrière le nuage là. La caméra fonctionne toujours, le voyant clignote, oh, il n'y a pas de souci. Voilà, on va éviter un peu le nuage là. Oh, il a neigé vachement bas. Hein. Ouais, c'est étonnant, à cette période de l'année, c'est que c'est, enfin, c'est pas commun. Bah, ça arrive. Ça arrive. La preuve. Ben oui. Et en cette saison, il a des fois on peut se poser à Bejev, c'est vraiment pas de bol, ouais. D'accord. Donc là, le terrain, a priori, on voit rien dessous. Voilà. Ah, tiens, regarde, on voit les cocardes du pilote. Ah oui. On voit l'ombre de l'avion et ouais, autour un arc-en-ciel. Ah, c'est beau ça. Voilà, le terrain, il doit être juste sous nous à gauche. Ouais, je vois des bâtiments. En loin. Ouais, je vois quelque chose, mais est-ce que, ouais, peut-être. Mais bon, non, ça posera pas. Non. Mais ça se trouve, il est même enneigé. Oui. Enfin, il y a une couche qui a l'air épaisse quand même. Hein? La couche a l'air plus épaisse quand même, là. Attends, j'ai les commandes. Yes. Non, c'est pas la peine. Hop, on part par là. On remet pas trop. Ça va, t'es pas trop malade, Phil? T'es malade? Non, c'est bon. C'est bon? Tu récupères, là. Tu m'avais dit quoi, la tisse de gap? Alors la TIS de gap c'était 129, 325. Ouais. Et la fréquence de gap c'est quand? 119 ohm. Ok. Bon c'est joli quand même. Ah c'est beau hein.
oriente les caméras en fonction de là où on est à chaque fois. Pour voir au maximum ce qui se passe. Eh ouais. Très bien. Voilà, 2003, tu peux te mettre. Alors ça fait 40 minutes ce qu'on vole, on va passer sur l'arrière. Voilà, par là-bas à gauche. Tu peux me repasser ma planchette, Fred, ouais. Phil. Donc, quelle heure il est 11h20. On passe sur l'arrière. Ok, merci. Alors c'est pareil, comme on l'a fait au sol, si jamais t'as un doute par rapport au givrage carbu, oui. Regarde bien, là tu vois on est bien stable à 2002, donc je tiens le réchauffe, donc on va perdre des tours, oui. Pas tant que ça. Et on attend de voir ce qu'elle fait. Non, surtout quand on... Alors touche pas au gaz surtout, hein. Oui. Pas, oui, pas touché les gaz, hein. Ah non, non. Voilà, faut surtout pas toucher les gaz. Là on le laisse, on compte au moins 30 secondes, tu vois, allez, 1, 2, 3. Là, la priole est en train de givrer, on a la glace qui fond, et on gagne des tours. Ouais, 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 là j'ai mis le réchauffe carbu, on a entendu un flop-flop. Là on a repris un régime normal, tu vois. Ouais. On avait un début de givrage carbu. D'accord. Donc ça, étant comme ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Ouais, parce qu'il a été stable un moment et tout d'un coup crac. Ouais, t'as vu, on a pris 200 tours là. Ouais. Et après on n'est pas en descente, rien, voilà. Donc là si je t'enlève, on va gagner des tours. Bah tu vois. On va le laisser tout le temps. Parce que ce qu'on fait pour vérifier, on regarde à combien on est. On met le réchauffe carbu, donc on va perdre. On perd. Mais si quand on le re-enlève, on prend plus de tours, c'est qu'on était en train de givrer. Et nous, c'est pas compliqué, on a pris des tours après l'avoir mis. Donc c'est qu'on était même en train de bien givrer. D'accord. Ah, il fait 2 degrés et il nuage partout. Bon, a priori, la 10, il va pas marcher. 119-10, tu m'as dit, hein. Ouais, 119-10. Avec le relief là. Bah, le terrain il est juste derrière à gauche là-bas. On va rester bien par là. Apparemment ça tourne, il y avait plus de gars en arrière. Oui. Vous voulez faire, on pose un gap ou on continue la balade, on va sur Saint-Crépin et on revient par là après. Bah Saint-Crépin et revenir après, ouais. Il est beau. Ah, c'est joli quand même, hein. C'est beau là. C'est beau là, ça fait un magnifique, ouais. Travelling là. Là la montagne de Lure là-bas à droite. D'accord. La gap info éco uniforme de retour à... Sur le plateau de Jarja, il y a 30 secondes de éco-unité.
Oui, coniforme, rappel en début de phase de main gauche piste 20. Je rappellerai en début de phase main gauche piste 20, Delta Lima, éco uniforme. À ce moment-là, mets-toi en montée, alors on va monter vers 5. Et Juliette en rentrée. Bien pris Juliette devant moi. Mets-toi 2005, voilà. Et on va apercevoir la piste un peu plus... Ouais, ils sont quasiment dans les nuages quand même. Bon, a priori... Lima travers tour. Donc c'est un gros Lima, le vent est calme, rappelé en étape de base d'un golf piste 20 avec deux trafics de l'éconité vers le début de la base. Côté, je rappelle en bas. Voilà, après... Donc pour éco-uniforme, éco-uniforme. Là, il n'y a qu'à se mettre sur les montagnes, là. Ouais. Ça, on évitera le terrain de gap. Arrière. Et bien reçu pour éco-uniforme. J'ai pas visuel sur la 22, mais on va être numéro 2 derrière. Ok, reçu. Il est entre le milieu et la fin de vente arrière, la 22. Répète, quelle est sa position? Il est entre le milieu et la fin de vente arrière. Bien reçu, je me reporte sur les reliefs à l'est pour intégrer en base gauche derrière la 22. Ok, c'est bien pris là, vous êtes un peu face à face là. Il va arriver au village là, bientôt là au château. Bien reçu, éco uniforme. Et je viens de voir en numéro 3. Bien reçu, je viens de voir moi. Éco-uniforme, c'est j'ai visuel sur le A22. Je rentre en début de base gauche pour la 20 principale. Ok, reçu éco-uniforme, en assurant séparation avec le précédent. Tango Lima en base 20 principale. Tango Lima et rappelé final, ma principale. Je rappelle final. En base 20 mini. Je viens de rendre pour la 20 mini. Bon, Tango Lima final. Tango Lima, le vent calme, rappelé piste dégagée. Gap Info de Roméo Juliette, bonjour. Fox Roméo Juliette, bonjour. Oui, bonjour monsieur Fox, Papa Lima, Roméo Juliette, DAU, en provenance de Carpentras. À destination de Saint-Crépin et on va transiter à 2-3 nautiques dans l'est des installations 6000 pieds. Il y a du parachutage en cours ou pas? Oui, affirme, il y a du parachutage en cours. On a 1011 au QNH, pas de vertical. Et rappelez en sortie. On rappelle en sortie, on va rester bien dans l'est alors qu'on passe vers la botte du Caire. Ok, c'est bien pris. Bah, il y a du parachutage donc on va rester bien comme ça. Voilà. Là, on est prêt. Bah, il doit y avoir un trou que sur le terrain. Il y a plus de fois que le téléphone arrive à moins de 2 minutes du langage. Parachutage dans 2 minutes. On reste assis ou on monte encore un peu? Alors, on roule un peu à droite. C'est Juliette devant, final 20 minutes. Juliette devant, moi, le vent est calme. Ou alors, c'est comme vous, que vous voulez faire, il y a soit on va jusqu'à Saint-Crépin, si on peut poser à Saint-Crépin, on pose à Saint-Crépin, et là à un quart d'heure à pied on peut aller manger dans le village, ouais. Ou alors on revient ici, ou alors on bascule sur Albert. Éco uniforme, je suis en courte 20 principale complet, c'est visuel sur le précédent. Et puis éco uniforme, ça sort au sud, donc un atterrissage convenant, c'est le vent calme. Ah oui, la piste est là, tu la vois? Ah ça y est, ouais. Voilà, on reste bien à l'est. On se prenne pas un parachutiste dans la tronche. Il n'y a même pas d'où ils sont les paras. Bah vertical en général. Bah c'est pour ça que je préfère passer un peu au large. Ouais. Éco-uniforme, c'est contrôlé sur la principale.
Monsieur Kenneth Farm pour la sortie Bravo. Tango Lima, je vais dégager, je roule au loin, je vais sur la Mini. Et je remonte la Mini, je couperai Nord. Très bien pris, je viens de Vambo pour traverser, enfin pour remonter la Mini. Là, il y a un trou juste sur le terrain, ils ont des pots, hein. Tout à travers le trou, quoi. Ouais. Ah, ben, il est où cet appareil? Je vais attendre, je coupe les axes Nord. Et puis je viens de Vambo. En général, ils se mettent au 140, ils montent au 140 et... De toute façon, même s'il y a un nuage, ils vont passer à travers, hein. Oh, je vais rouler sur la 20 principale, puisqu'il n'y a personne. Oui, il n'y a pas de souci pour remonter la principale à commandance. Voilà, maintenant tu peux te remettre parallèle à la piste à peu près, voilà. En restant sur les crêtes, voilà. Ouais. Le tout, c'est pas évident, c'est d'éviter bien la verticale. J'ai perdu la piste de vue maintenant. Derrière le nuage, là. D'accord. De toute façon, voilà. Ok. Et la droite, alors là, toute la partie gauche, allez. C'est les écrins, c'est le parc des écrins. Ok. Et là, sur notre gauche, avec les nuages, là, l'endroit le plus haut. Il y a un petit peu de côté là-dedans, en descente ouest, c'est pour la 02 principal. C'est le pic de Bure, c'est le massif du dévolu, là. D'accord. Et là, la barre rocheuse. Monsieur Delphin. La barre rocheuse qu'on voit au-dessus de l'aile, là. C'est la montagne de Céuse. Alors normalement elle a une forme. Et je vais toujours au parking. Elle a une forme d'arc de cercle, mais quoi, caractéristique, mais de là on le voit pas. Oh. Ouais, continue à monter. Et co-uniforme quitte derrière Juliette Novembre. C'est bien pris, co-uniforme. On la voit pas la piste là, hein. Fox Hotel Alpha, ils sont en base gauche 02. Oui, Fox Hotel Alpha, la 02 principale à convenance, vent calme. Il y a le reporter qui descend là-bas à gauche. Il va arriver à 8h là, il est sous l'aile là, il arrive en piqué là-bas. Non, sous l'aile. Il arrive dans les nuages là. Et hop, là il rentre dans les nuages là, hop. Ah oui, vu. Tu le vois blanc. Ouais, ouais, vu, ouais, à gauche là, ouais. Vas-y, qui tombe là. Bon, bah, un avion c'est pas gros, mais un bonhomme c'est encore moins. On va pas y arriver, hein. Comment? Si l'avion, c'est pas évident de le voir, alors les bonhommes qui tombent... Ah, non, tu le verras pas, là, ouais. Ah, encore que les voiles, elles sont plus haut. Attention, les voiles, regarde, là, dans les nuages. Ah là. Oui, ça y est, ouais. Ah, d'accord, ils ont ouvert haut, alors. Allez. On va rester comme ça. Ouais, ce que je disais, on pose un sacré pain, on mange bien un sacré pain. Oui. Et parce que le temps d'y arriver, bah, il sera midi, grosso modo, hein, voilà. Ouais. Ou alors après, on bascule. On est pour l'hôtel Alpha, on dégage en Alpha. Pour les Pompéons, à tout de suite. À tout de suite. On bascule aussi, bon, à mon avis, on peut rester sur sacré pain. Oui, c'est bien, sacré pain. Ouais, sinon, après c'est joli, hein, si on passe ouais. On passe le Galibier. Allez. On passe le Galibier et on descend sur Albertville. D'accord. Bah, à ce moment-là, on le fait cet après-midi. On part, on va de l'autre côté, on revient et finir, on va voir ce qu'il y a de à, éventuellement à poser là et puis voilà. Oui, oui, on verra. D'accord. Alors, la piste, elle est là-bas. Oui. La caméra 7 fonctionne toujours. Ouais, ouais. Ouais. La clignote orange. C'est ça. C'est beau, hein. Et là, Barcelonnette, le resto, il est fermé. Là, ça fait combien qu'on a décollé? Ça fait 1h pile. 1h, ouais. Oh, ben c'est bien. Ou alors, on peut aller faire un tour de piste à Barcelonnette, c'est intéressant pour lui aussi. Ouais. Le terrain, il est pas gros. Ouais, mais toi, on descend. Voilà, 2003, on est dans les chauffe carbu. Alors attends, il est où le lac? Non, faut continuer, on n'y est pas encore. J'ai vu qu'il y avait un lac par là. Continue tout droit, ça va être la vallée d'après. Là, on va arriver au lac de Serponçon. Non, on l'a passé ou pas? Non, pas encore. Pas... Ah non, on l'a passé. Non, il est après là-bas, voilà. Bon, ouais, c'est bon, continue comme ça. Mets-toi en descente. Il est 2 minutes pour le cachard. Ah, je t'attends 2 minutes.
Ah, il est là-bas à droite, ok. Gap, de... Roméo-Juliette, on est en sortie, là, en face Echo. Ouais, sur Roméo-Juliette, alors on va bon vol. Merci, Dep, bonne journée. Bonne journée. 1011, le QNH, tu veux le mettre, là? Gap de Roméo-Juliette, vous avez dit combien le QNH, 1011? Oui, c'est correct, 1011. Merci beaucoup. JTR. Voilà, là il y a la ville de Gap. Ouais. Donc là c'est la vallée. C'est la vallée qui part à Grenoble avec le col Napoléon, là, la route, c'est la route Napoléon. Ouais. Donc le massif est dévolu. Là, à gauche, on a les écrins. Et nous on va partir à droite là. Ouais. Pour aller vers le lac de Serpenson, qui est sous les nuages, comme d'habitude. Oui. Et nous après on partira à gauche pour aller vers Saint-Crépin. D'accord. Donc là je vais prendre la carte VAC de... La carte VAC de... pour te la montrer, de... Barcelonnette. T'as adopté là. Elle est bien fermée la fenêtre là, à gauche là. Oh, elle tourne. Non, mais la fenêtre. Ouais, c'est la mienne qui est ouverte en grand. Ah non, c'est pas ça, c'est que je vois le truc qui est légèrement décalé à l'arrière. Ah, pardon. Donc Barcelonnette sur 123.5. On va se mettre à 123.5. Et le terrain est... Le taux de piste à 4... Le taux de piste à 4005. Donc on va rester vers 5-6000 au départ là. On va quand même pas descendre trop bas si jamais on peut pas poser. Ouais. C'est con. Ah, on voit le lac. Alors, on voit le lac là? Ouais, devant nous là. Ah ok. Donc après... Le lac, il va faire un V comme ça. Oui. Donc la partie qui va là-bas, c'est pour aller vers Saint-Crépin. Et nous, on va prendre la vallée qui part à droite, là. Donc ça a l'air bien dégagé. On peut aller dans la vallée qui est là-bas. Bon. Alors donc j'ai dit 123.5. Voilà. Donc le terrain est à 3700 pieds. Alors c'est une piste, c'est un terrain qui est assez délicat, ça l'été surtout. Parce que c'est un terrain qui est relativement court, la piste fait 800 mètres, et est presque à 4000 pieds. Donc les niveaux perfo avion, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien prendre en compte. Surtout cette année par exemple, quand il fait très très chaud, ouais. Quand il a fait avec une altitude densité énorme. Ouais. Donc là ça devrait pousser, a priori ça l'a bien dégagé dans la vallée. Alors dans les vallées, il y a les brises de pente qui s'installent, les brises de vallée qui s'installent à partir de 11h à peu près. T'as le sommet des vallées qui se réchauffe plus vite que le fond des vallées. Ouais. Donc ça va créer un courant d'air. C'est pour ça que là c'est quasiment sûr. Enfin, là il n'y a pas très chaud. En plein été, tu sais très bien que c'est la 27 en service parce que tu as les brises qui s'installent à partir de 11h midi. D'accord. En montagne, il y a beaucoup de terrains sur lesquels on ne peut pas... Valoir par exemple, on sait très bien qu'on ne pourra pas poser à partir de 11h30 midi. Parce qu'on aura 20 nœuds arrière quoi. Ah oui. Donc là, bon, il fait quand même pas très chaud, hein, il fait moins 20. Ouais. Donc là, ben, tu peux descendre à 5000. Là, on voit que c'est bien dégagé, là, c'est bon. Dans le pire des cas, ça passe même dessous. Ah, il est beau, là, le lac, hein. Un petit pont là, il est beau là. Et là on voit... Ah, attends, là on est en descente, je vais dans la chauffe-carte. Un petit girage carbu dans le coin, il y a plus sympathique quoi. Donc Barcelonnette, c'est pas un terrain de montagne, mais cela dit... Et dans le relief, etc. Voilà. Dans la complexité. Tout ça, c'est le parc des écrins à gauche. La ville d'Embrun là-bas au fond, voilà. Là, t'as la station de ski des Ors et Vars, Ritmoule là-bas, un peu plus loin. Et nous, on va aller par là. Et on verra, d'ailleurs, autant en passant par le col de Vars, après, c'est joli.
Voilà, on descend tranquillou à 5000 pieds. On prend une verticale à 5000 pieds. Bah, ça change un peu de logne. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un peu moins plat qu'à logne. Ah ouais. On l'a réduit en 2003, là voilà. On consomme pas trop. Comment ? 8000 pieds. Oh ouais, encore 1000. Donc là, on va évoluer dans une vallée relativement étroite. Bah tiens, on va faire un petit exercice de faire un 360 dans la vallée. D'accord. Bah, t'as pas dû en faire beaucoup à l'autre. Ah non, comme ça non. Donc c'est pareil, mais non, toujours pareil. Quand t'as besoin de faire un demi-tour dans la vallée, on va jamais voler au milieu de la vallée. Oui. Sinon, ben, on diminue le rayon de virage d'autant. Et puis pareil, bon, nous on va pas vite, mais on va pas arriver à fond. Oui. Là, il va te falloir un rayon de virage important. Oui. Voire même avec un avion, tu fais ça avec un Mounet ou un 182 ou un avion rapide, ah, ben là, oui, ben, tu te mets à 20 pouces, 15 pouces, ben, tu réduis ta vitesse pour diminuer ton rayon de virage, voilà. Oui. Et il faut des comptes pour un vol là pendant l'été. Et à 182, donc 150 km/h, ouais. À 100 mètres de virage, de rayon. Ouais, d'accord. Ouais. Mais nous, à 20 degrés. Nous on a un petit pas, donc on vit en croisière, il va pas vite, nous on va à 92 en croisière. Ah oui. À peine, 92 à 2300 tours, après il fait 102, mais là en consommant 38 litres, ouais. on préfère voler à 92 ouais. Et en consommant 33 litres. Bah, il vaut mieux, ouais. Pour tout ici. Avec 5005, hein. Voilà. Dessous c'est magnifique. Ça me rappelle un vol de mémoire en virtuel. Hein. On était arrivé de l'autre côté là en radada et hop. Alors là on va passer bien, on va bien longer le côté. Toujours pareil pour se ménager un demi-tour. Toujours. Et alors moi, de préférence, je me mets toujours le côté à l'ombre, en fonction de l'aérologie, hein, si tu n'en veux pas trop, pour ouais. pouvoir dégager ce côté au soleil. Ouais. Alors, quand on fait un virage dans une vallée étroite, on regarde devant nous. Devant ouais. nous, et c'est qu'on va voir notre capot monter et descendre. D'accord. Alors, reste bien à droite. Alors, ça n'empêche pas d'envoyer un petit coup d'œil de temps en temps, oui. mais en règle générale, les gens, c'est le contraire qu'ils font. Ils regardent tout le temps sur le côté et jamais devant. Ouais. Bon, on va faire un 360. On pense bien ton avion. Là, je t'ai commande pour voir. Impeccable. Allez, on va se mettre bien à droite. Allez, à toi les commandes. Ok, commande. Allez, on est à 5100 pieds. 5100 pieds, ouais. Ah ben, tu vas me faire un 360 par la gauche. Alors, je vois ça là-bas. Ok. Alors, ok. On y va, allez, 30 degrés, on regarde bien devant. Donc là on voit le nez qui s'enfonce un peu, donc je tire un petit peu et je mets un petit peu de moteur. Voilà, là on bloque l'assiette, regarde devant moi. Un petit coup d'œil, très bien dégagé, je regarde vite devant moi. Et tu vois qu'on va faire un demi-tour dans à peine la moitié de la vallée. Oui. Regarde quand pas quand c'est joli, on a le ruisseau. Ah oui. Voilà. Donc t'as vu que là on vient de faire un 180. On n'a pas perdu 10 pieds. Oui. Parce et que là, il y a tout qui change en permanence, là. Comment ? Il y a tout qui change en permanence devant. Ouais. Et là, en plus, on peut même se servir des nuages comme horizon virtuel. Ouais. Donc là, on va continuer à aller vers là-bas, et on fera la même chose vers la droite, pour repartir vers... D'accord. Bien, par là, voilà. Là, par contre, faut vraiment, par sécurité, s'optimiser tout l'espace. D'accord. On descend pas. Alors là, c'est le piège. Quand on a la vallée qui descend, on va avoir tendance à pousser. Ouais. Allez, sécurité, on y va. Allez, on incline, voilà, on regarde bien devant nous, un petit apport de puissance, voilà. Et là, un petit coup d'œil, ça passe partout, voilà, impeccable. Et là, ben là, j'ai un super horizon avec les nuages. Et on va reprendre, on va se remettre du côté à l'ombre là-bas.
Alors attention, parce que là t'as du relief, t'as vraiment tendance à tirer. Par contre là tu vas avoir tendance à pousser légèrement. Donc en le sachant, hop, lui on a perdu 80 pieds là. D'accord. Donc on remet un petit peu de moteur, et on fait varier la scène à cabrer légèrement. C'était bien hein, tu vois. Normalement c'est impeccable. Mais ce qu'il faut c'est regarder dehors et devant toi. D'accord. Voilà, on descend. Ben, 5000, on est bien. On reste en palier. 5000, ok. On est sur la fréquence. Donc le tour de piste, il sera côté sud. Il sera de ce côté-là. D'accord. À 4005. 4005. Et là, tu restes bien sur le côté de la vallée. Voilà. Mais nous, on va faire une verticale à 5000. Ça va, Fred? Ça va, Phil? Ouais, ouais, ça va. Et toi, c'est bon? Ah, nickel. Vol en vallée, toujours des côtés ou de l'autre, mais jamais au milieu. D'accord. Et juste au bout là-bas derrière, c'est l'Italie. Ah oui. Ah, c'est juste derrière l'école, les montagnes qu'on voit là, voilà. Ah, ok. La piste elle est même un peu bombée. Ah bon? Il fait qu'à un moment donné tu... Ouais, quand t'es quand tu touches, tu vois plus le bout de la piste. Barcelonnette, Fox Papa Lima Roméo Juliette, bonjour. Dahu en provenance de Carpentras, on est à 3 minutes des installations, 5000 pieds dans la vallée. Dans la vallée. La 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 la. Ouais, c'est des jolis coins. Ah, c'est magnifique. Là, tu comptes la hauteur en nombre d'arbres, tu sais. Oui, je suis à 4 hauteurs d'arbres là. Voilà. Ok, ça va. Tu peux descendre, ah bon? Ouais, ça va même 20 mètres un arbre, ouais. Là on est à 100 mètres. 100 mètres hein? Bah ouais, c'est contre 4 hauteurs d'arbres. Ah ouais. On doit faire 20 mètres les arbres, non? À peu près, ouais. Voilà. Bon là on peut couper un peu, hein, voilà. Mais je suis rarement venu de la neige en bas, là. Ah bah oui, c'est celle-là, là. Ah non, c'est tout droit, là. C'est celle-là, là-bas. Ah d'accord. On va pas chercher la complication. Ah non, je pensais qu'elle était ce côté-là, moi. Non, non, le terrain il est juste derrière là. D'accord. Et les arêtes là qui sont magnifiques. Ouais. Alors après en continuant, il y a le col de Vars. C'est passé ouais. Pour les 105 crépins. Alors ça fait monter haut, mais ça évite tout le détour. On va bah, le laisser quand même. Hein. Derrière, on va passer sur l'avant. Ah, tu peux me repasser ma fiche, à fil. De quoi? Tu peux me repasser ma tablette? Ouais. Merci. C'est à 11h50, on devrait passer sur l'avant. Voilà, là on va bien rester à droite. Donc on voit la ville de Barcelonnette, donc le terrain est avant, le long de la rivière. Je pense qu'il est complètement enneigé et on ne pourra pas poser non plus. Bon, mais voilà, ben ça c'est réglé. Bah, tu peux continuer à monter. Attends, on va remonter alors. Voilà, reste à droite. Ouais.
Hop, j'enlève la résistance. Je vise la montagne, 2005. Voilà, 2005. Voilà, on revient un petit peu la main, voilà. Voilà, pas moins de 130, voilà. Ouais. 130, c'est bien. La symétrie, ça fait pas de mal non plus. Comment? La symétrie, ça fait oui, pas de mal oui, non oui. plus. Voilà, que... Alors, est-ce que le demain, ça doit être là-bas. Je sais même pas si je suis passé dans ce sens-là, déjà. Voilà, on reste bien comme ça. On va se garder tout l'espace disponible pour pouvoir monter. Toujours optimiser au mieux l'espace disponible. Voilà, un petit peu de manche avant pour la vitesse. Ça ne tire pas trop sur la tronche. Une tour d'arbre. Voilà. Ah non, c'est les rochers qu'elle vend là. C'est les rochers ça ou sinon c'est les bâtiments ça? Ah oui, c'est les bâtiments, oui. Parce que sinon les rochers sont bizarres. Hein. Non, c'est bien enneigé, hein, on est d'accord? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah bah là, ouais. Bon, on va continuer à monter, monte au moins vers 8000 à mon avis. 8000 là. Ah ouais, parce qu'il est où le col? Je sais plus combien il est, mais... Voilà, c'est un petit peu lent, vitesse, vas-y. Non, prends-lui pas moins de 130, voilà. Comme ça, on fatigue moins le moteur. Oui, je voulais voir... Hein. Altitude. Vas-y, col. Ben, la station de ski, on voit bien là. Ouais. Voilà, après on peut passer par là. Alors est-ce que j'ai une altitude quelque part du col de Vars J'ai pas d'altitude d'école à l'école de Mars. Il est à 2100 pieds. Ah non, on doit passer là à 7000, on doit être bon. Reste vers 7000. D'accord. Il est à 2100 mètres. 2100? Ah bah oui. 2100 mètres. Ouais, ça fait à peu près 7000. Bon. Donc voilà, tu prends pas la vallée qui est là-bas. Ronalp Philippe. Hein? Ronalp 1024 bits. Ok, 7000 là.
2300. Ouais, col de Var, 6900 pieds. En montagne, on navigue avec des cartes routières. Ouais. Aux 200 000. Par-dessus, on marque tous les parcs nationaux, les cols, les altitudes caractéristiques. Col de Var, 6009. Oui. Donc là, c'est ce que j'ai vu sur le site dont je te parlais tout à l'heure, là. Et finalement, 250 millièmes, c'est très bien pour... Ouais, c'est ça. Donc, monte à 7005, on sera bien à 7005. 7005. Ouais, ouais. Ouais, reste bien sur le versant. Oh non, du bon. Mais reste sur le versant droite, voilà, le droite. Le versant sud, voilà. Enfin, versant nord du. Le versant nord de la partie sud de la vallée. Bon, là on a un QNH à bon, hein, on l'a eu à Gap, donc. Parce qu'après c'est pareil, t'as des erreurs asymétriques. Ouais. On va pas jouer à 100 pieds quand on a un béron là, on a un QNH fiable. Oui. Et Philippe ? Oh ! Ta gueule ! Putain, je vois cailler les meules là, hein. Mais t'as les couvertures derrière. Ça y est, ouais, t'as. Et t'as du café chaud, tu veux oublier le café chaud ? On verra si on pose à... si on peut poser à Saint-Crépin pour un café à Saint-Crépin. Ah, le col il est là-bas, donc on va bien rester à droite là. D'accord. Donc je vise là, puis après là. Ouais, là, voilà. Là-bas. Ok, 7500. Là, on sait qu'on fait demi-tour tranquille, voilà. Donc... Ah ben là, oui. Ben, vu ce qu'on a fait tout à l'heure, là, on fait trois fois le tour, là. Hop, voilà. Hop, voilà. Ouais, mais bon. La marge, j'aime bien avoir de la marge. Ah ben oui, hein. Bon, tout est relatif, toi, hauteur de survol. Alors, paradoxalement, à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup plus d'endroits pour te vacher en montagne qu'en plaine. Ah parce oui. Que là, comme tu as besoin de beaucoup moins de distance avec la pente, ah oui. Donc le moindre champ en pente de 200 mètres, tu poses. D'accord. Bon, faut pas le rater. Et là, par contre, avec la neige, on sera vite freiné. Voilà, donc là, on a de la marge, on peut faire demi-tour, voire même s'il y avait des turbulences, tu mets le manche à l'avant et tu tournes, voilà, c'est... D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est la sécurité, c'est de la vitesse, donc la manche à l'avant et je tourne. Ouais. Et même des fois, t'es... Donc, si t'es vraiment dans un endroit au moment confiné, et le plein volé, pour diminuer la vitesse, ouais. Et tu fais tourner le plein volé. Donc là, on va rester là et on va voir ce qui se passe au niveau... aérologie, hein, mais bon, aujourd'hui il n'y avait pas de vent. Mais on va quand même vérifier s'il n'y en a pas des rabattants. Etc. D'accord. Donc descendant en dessous de 7005. Ça nous fait 600 pieds de marge. Ah, le col il est là-bas. Et dès qu'on aura passé le col, on pourra se mettre en descente. P, puissance 2003, I, instrument moteur, derrière le vert, A, altimètre 1011, 7005, on passe le col, G, le gyro sans objet, essence, ça fait donc 1h30 qu'on a décollé, ouais. On avait 3h30 d'autonomie, on a encore 2h, donc il nous reste 2h d'autonomie, cohérent avec les jauges, on a pompé 3 quarts d'heure devant, demi-heure derrière, devant. On reste bien à droite, là, voilà. Radio nav, radio, ben, on est bien sur 123.5.
radionave mais sans objet, avec l'avion qu'on a, il est température en moins 2, il fait encore un peu moins 2. Il y en a 18 à l'intérieur. À 2 degrés en moins dehors, à 2 degrés en moins dedans. Bon alors on a de la marge alors. Reste bien à droite, voilà. Ouais. Le col de Vars, c'est pas le premier, il est après là-bas. On voit la route là-bas. Vas-y, monte encore un petit fouillard là. Quand j'ai 8000, on était pas mal. À la vitesse. Bon, là, la vitesse indiquée, on est à 8000 pieds, hein, donc elle est vraiment plus faible que la vitesse propre. Hein. Ah, tu vois, on a des ascendances, on descend, là. Allez. Voilà, le col, il est là-bas. Allez, on va se mettre en palier. Oh c'est magnifique là. Oh c'est pas vilain hein. Ah pas du tout hein. Alors il y a des lignes électriques là-bas ou des pylônes. Oui. Alors c'est pareil, quand t'as des lignes électriques et que tu sais pas trop où elles vont, là on voit qu'elles descendent. Mais toujours est-il que tu vises le pylône. En étant au-dessus du pylône, t'es sûr qu'il n'y aura pas de fil. D'accord. Alors, le col il est là-bas. Oui, on voit bien la route là. C'est fabuleux hein. C'est fabuleux là. Voilà, on va se mettre bien sur le versant gauche, comme ça on pourra faire demi-tour au soleil. D'accord. Ah oui, t'as dit que tu privilégiais de voler du côté de l'ombre. Ouais. Alors il y en a qui disent le contraire, c'est-à-dire que en faisant un virage, tu vas finir au soleil. Et moi j'aime bien avoir le côté ensoleillé dans lequel je tourne. En plus le côté ensoleillé, généralement, t'as des ascendances. Ah, c'est sympa. Voilà, là on va venir longer la crête qui est devant nous, là. La montagne, Fox Romeo Juliette, on passe de Col de Vars, 7700 pieds, vers Kiev. Voilà, donc là, on ouvre la sécurité. Au niveau sécurité, on a de la marge, ça passe. Oui. On va aller bien le plus loin possible par là. D'accord. Allez, on va faire un virage à droite. Sécurité, il n'y a personne. On ne monte pas, on regarde bien devant nous. Voilà. On va mettre le col sur notre gauche. Et là, au moins, t'as vu, je peux faire demi-tour en toute sécurité, là. Oui. Comment ça se passe? Là, ça passe. Au niveau turbulence, il n'y a rien. Oui. Allez, ben, je continue. Ok. Et je descends pas trop parce qu'il y a des lignes électriques un peu partout. Ah elle est belle la neige. Ah ouais là c'est. Voilà je vais pas commencer à descendre tout de suite parce que tu vois là il y a des nuages pas loin quand même, on va rester en palier. Et toujours pareil, on va rester d'un côté. Non, ne descends pas. Ne descends pas. Et là on voit les remontées de la station de Mars. D'accord. Là c'est Mars et la station qui est là. Ah, c'est juste derrière, il y a le Kiras. Le Kiras, c'est la vallée derrière, là. D'accord. Ouais, ça a l'air bien déchiqueté, tu peux y aller, tu peux descendre. Alors, on va rester réduit, on est quand même haut. Là, on mettra plein riche plus bas. D'accord. Donc, on est au-dessus de 5000 pieds, on va le rester mixturé. Ouais. Bon, on reste à 2000. C'est à 2003, voilà. Ça réchauffe. Ça réchauffe, oui, bonne idée. Voilà toute la station de Vars. Alors, la carte vague de Tegnepin. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Ça, c'est...
à 3000 pieds le terrain. Ah ok, ça y est, peut-être un... Okay. Voilà, on va passer sous les nuages. Et c'est vrai, derrière à gauche en bas, c'est ça? Ah, il est plus loin encore, oui, voilà. Oui, mais c'est ça. Il est vraiment à gauche, voilà. À gauche. On va dire, on va réduire et descendre. Donc le tour de piste, c'est 3006. Donc on va aller vers 4000, voilà. Donc là, quand je fais une réduction, je reste pas dans la plage des roues. Ah, tu mets à 2000. Non, 2000. Je mets à 2000. Là. On évite l'arc, on évite la zone. Ah. Toi, là, c'est la zone vibratoire, là, voilà. Ah, là, 2000. Ah, tu restes à 2000 ou 2250, voilà. Là, on va passer sous les nuages, voilà. Là, on voit la piste, là-bas. On va aller bien, aller déluger. Ah oui, d'accord. Impeccable. On y arrive par ce côté-là, d'accord. Et oui, là, après le col de l'Arse. Sinon, tu prends à gauche, tu arrives au large de, au lac des Saint-Pensons. Et puis en dessous, il y a la citadelle, là, quelque part. Oui, on va passer au-dessus, là. On voit la ville de Guillestre, là. Ah, Guillestre, là. Okay. On voit Guillestre. Là, tu auras les trucs de Vauban, là, la citadelle, là. D'accord. On va passer au-dessus. Parce que cet été, on a fait un vol. Justement, on est parti de Nîmes. Oui. En Canadair. Ah, oui, d'accord. Et on est venu se poser ici. Virtuel. Virtuel, oui. Ah, oui, d'accord. Oui. Ah, ouais, tiens, la citadelle à gauche, là. Alors je prends la radio. On va la prendre plutôt comme ça et après on va là-bas. On va faire vertical, voilà, puis on fera une reconnaissance. Sacré pain de force Romeo Juliette, bonjour hein, Dahu. En prenant ce Carpentras, on arrive du col de Vars, 6 pieds en descente vers Guillaume. Alors, je sais pas ce que c'est comme piste, c'est le 34 et le 16. Alors si c'est la 16 en service, c'est sympa parce que l'arrivée elle est un peu... Bah, tu vois le tour de piste, comme ça là. Ah oui. Le tour de piste il est... Alors il est à 700 pieds sol, il est un peu plus bas que la normale, hein. Tu vois il est à 650 pieds sol même. Et donc à 3600 pieds. Et pour pouvoir aller en... Et donc il est du côté de la montagne à droite. Et donc il faut vraiment racler la montagne. D'accord. Et après, en fait quand tu commences à descendre en arrière. D'accord. Ah je vois. C'est-à-dire qu'il faut être stable ici, puis faut être derrière le village de... Ah, oui, donc là c'est Guillestre. Voilà Guillestre. Là t'as la vallée qui monte dans le Kérac, pour passer le col de l'Arche, ou le col de la Madeleine, je sais plus. Donc là on va passer juste sous la couche, ce sera joli. Là ça va être la nuit, la journée à nuage et à neige. Voilà, dernière chose carbu, on est sur l'avant, impeccable. Donc on a dit 4000, le vertical, on sera bien. Donc on est à... Alors là, l'été, il faut faire gaffe ici, que t'as tous les planeurs qui descendent par là. Là, ici, il y a des Barcelonnettes. Ah ouais. Ici, Barcelonnettes. C'est des très hauts lieux de vol à voile, donc on va réduire un peu plus même, qu'on n'arrive pas comme trop vite, voilà. On va faire une reconnaissance. Ben, pour le fun, on prendra la 16. Ben, on va quand même voir si c'est pas du temps, mais... Voilà. Ben, là, je te suggère de passer derrière le village. Oui. On va pas trop réduire, voilà. Et on fera un virage par la gauche, là. D'accord. Comme ça, on aura la... On aurait une bonne vue sur le terrain. Voilà, on va réussir à 2003. Là, on chauffe carburant, on le garde. Voilà, comme ça, on fait pas trop de nuisance au niveau des villages. Et en plus, on aura le temps de bien faire la reconnaissance. D'accord. On était venu là, avec Christian, non, avec de la neige. Et Thierry Mort aussi. Ouais, ouais. Je sais pas si on n'avait pas pu poser ici. Non, non. Oui, le gaz au dernier moment. On s'était posé à Cap, hein. Ouais. Ah oui, c'était le soir. Donc du coup, on n'avait pas été à Barcelonnette. Il me semble qu'il y avait Christian et Thierry Mort. Ouais, ouais. Avec le Charlie Echo même. Charlie Echo, ouais. Ou Max Sierra, hein, mais Charlie Echo, j'aurais dit. Ah ouais. Ah, ok. On dirait qu'elle est orientée comme ça, dans la droite. Donc ça serait plutôt la 34, a priori, ici, avec Echo.
5 de pain de Roméo Juliette, on arrive à 30 secondes de la verticale, 4500 pieds. Alors sécurité, là on fait bien gaffe, il y a personne qui déroule de la vallée. Ouais. Ouais, mais il y a quand même pas beaucoup de vent, j'aurais vraiment voulu l'arrivée en 16, elle est un peu rigolote. Parfait. Ah ça va. Ouais, on a un léger vent arrière à ce moment-là. On va voir s'il est trop fort, on va partir un peu loin. On descend bien à 4000. Descend. Voilà. Donc on visera le seuil, hein, on visera le seuil de piste. Ouais. Et on posera légèrement après le 7. Et on prendra 120 en finale. Bah, kilomètre 1, l'arc extérieur, hein, voilà. Il y a des flaques d'eau à l'entrée, mais nous on va poser un petit peu après. Bon, donc on vise après le 16. On touche après le 16. 2. Bon, il y a un petit peu de vent quand même. On va se poser en 16, on va pas chercher des complications. C'est un classique. Hein. Alors vas-y, tournez bien à gauche. Et Robert Juliette en verticale, 4000 pieds, on se comporte pendant 30 arrêts. On se comporte en front arrière pour la 16. Pour la 34, pardon. Parce que la 16, il faut aller là-bas, au fond, voilà. Allez, mais là tu descends à 3006. Voilà. Allez, 3600 pieds, et oui, il y a une montagne en face, mais on va atterrir quand même. Voilà, tu peux réduire, pas trop. 3600 pieds. Vas-y, éloigne-toi bien. Allez, on va y aller par là, comme ça. Allez. Et on descend, 3006. Ah ouais. Et Roméo Juliette en vente arrière 34 à 5 de pas. Voilà, 2000 autour. On a la piste là. On va mettre un cran de volée. La pompe. On compense. On est en vente arrière. Alors là, ce côté-là, il est beaucoup plus facile. Mais là, on peut s'éloigner comme il faut. Ouais. Là, on peut s'éloigner comme il faut. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas très loin du sol. Hein. Ouais. Voilà, 2000 tours. Voilà. Qui réduit non. Hein? Voilà, on va virer en base. Ok, base. C'est que pas Roméo Juliette, virer en base 34. On n'est pas très loin, on va se louer un peu plus. Et c'est le temps de faire une bonne finale. Voilà, allez on y va. Je vais déjà prendre voler maintenant, ça sera fait. À ta vie il est très piqueur, hein, tu peux le compenser un peu. Allez, on réduit un petit peu. Et on vient. Là je dis comment pour voir. On va le cabrer un petit peu. Voilà. Allez, on tourne en finale. C'est que part de Juliette en finale, 34 points incomplet. On est un petit peu bas, on fait un petit palier. 3 mètres de puissance, puisqu'on a la petite excédente vitesse à perdre. Oui. Donc du coup, hop, un petit palier, la vitesse va rentrer dans l'ordre, voilà. On s'est annoncé en finale. On est plein rythme, plein volé, plein mixture, le réchauffe carbu. Voilà, on vise le 34, comme si on voulait percuter le 34. Donc c'est un très petit, donc on fera... On dégage bien les pieds des freins, hein, voilà, surtout on met que la pointe des pieds sur les freins. Voilà, 120 km/h, parfait. Bah, on s'enfonce un tout petit peu. Donc on fait un petit apport de puissance. Voilà, on est un petit peu bas, mais c'est pas très grave. On voilà. 34, ils bronchent pas là. Allez, pousse un petit peu, on est un petit peu rapide. Et voilà, très bien. Voilà, on va faire notre arrondi tranquillou. Et là, on va venir mettre le nez tangent au bout de la piste, là-bas, on regarde le... Hop, et ça va toucher, comme ça, impeccable. Et je te rends les commandes.
te plaît, Romeo Juliette, on dégage à 34. Ah, c'est très bien, du nord mon Méo, vertical d'installation 4200 pieds, je me mets en milieu devant arrière pour la 34. Ah, je peux, oui, il y a un îlot vertical, bah, tu le vois? Il est là. Ah, ok. Ah, mais c'est un autoplaneur. Je suis en train de me dire, il est bizarre ce truc. Ah, c'est le même que celui qui est dans mon hangar, et au fond à gauche de mon hangar. Ouais, je l'ai vu ce matin. Ah, c'est que le peigne, on va voir Romeo, moi derrière pour la 34. On passe un petit bonjour à Eric, Phil, hein. Ouais. Comme tout à l'heure, j'y ai pensé à... Yep. Bon, on se met par là pour les emmerder. Ou après lui.